Et salut toi derrière ton écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 97 des WIG avec un jeu qui s'appelle Vex and Silence. On va prendre avec Vex and Silence qui est un groupe, il me semble. Donc c'est bien Vex avec un K et donc avec un X. Jeu sorti en 2009, développé par E2 Games. 2009, et oui 2009, encore un jeu exclusivement Xbox 360, donc tu sais déjà que ce jeu n'est plus disponible. Et oui, je présente des jeux qui ne sont plus disponibles. C'est comme ça, ils sont sur ma console, je les avais téléchargés à l'époque où les jeux indépendants étaient encore disponibles sur Xbox 360, et j'ai décidé de quand même les présenter pour finir cette saison 2 des Wigs. Donc on incarne Silence, oui c'est son nom, je pensais que c'était Vex, mais non, Silence. Et on va défourailler du zombie, des bestioles, enfin bon, c'est hyper gore, c'est du 2D en scrolling horizontal, mais c'est très fun, il y a quand même de la 3D. C'est un shoot 2D mais avec de la 3D. Donc épisode 4, il n'y a qu'un épisode jouable dans cette démo. Voilà, donc nous sommes Silence. Et donc avec X tu défonces des zombies. Avec B tu tires derrière, plutôt cool. A tu sautes, classique. Là je me suis fait hit déjà, il ne reste plus que 2 vies. Donc tu as différentes armes avec les flèches directionnelles, fusil à pompe, tu vois. Plus tu tues de personnes avec une même arme et plus tu augmentes ta rage. Je suis plutôt bien, tu vois. On a le sniper, tu peux locker avec LB. Tu peux locker ta position aussi, ça veut dire que tu fais que viser avec RB. C'est assez bas du fond, la manette qui se déconnecte évidemment. Donc c'est assez bas du fond, mais il faut dire que c'est quand même très fun. Il valait pas grand chose, hein. Il valait je crois 1€, comme ça, 2€. Je regrette que ces jeux-là ne soient plus disponibles à la vente, car c'est avec plaisir que j'aurais fait des petits no stress dessus. Surtout que je vais sûrement arrêter les wigs. Donc là j'ai la rage. La rage avec la gâchette de gauche. Ou donc tu peux faire n'importe quoi. T'es 15e invincible, voire même totalement invincible. Sauf si tu tombes dans les trous avec des flammes. C'est plus le cas. Hop. Faire attention, c'est la première fois que j'ai testé ce jeu, j'avais pas vu les trous en fait. Comme abruti que j'étais. Donc voilà, tu peux tout défourailler. Là t'as des sortes de, je sais pas trop quoi, avec des verres ou pas trop compris le délire. Voilà, je suis mort. T'as compris le principe, j'ai 980$, c'est un jeu de scoring tout simplement. Évidemment, il y a qu'un seul niveau, donc malheureusement ça va aller assez vite. On a un mode de survie. Non, on va pas retry. On a un mode survie que l'on va tester tout de suite. Mais qui porte bien son nom. Donc il y a 11 niveaux. Il y en a 13. Hein. En mode histoire, il y a 13 niveaux, pardonne-moi, je n'ai pas précisé. Et en mode survie, il y en a 11. Mais tu verras que ça va très vite vu qu'on n'a qu'une seule vie. Donc en général, dès que j'arrive dans la partie, je meurs. Je tue 3 zombies, je meurs. Clairement, tu vas voir. Donc là, déjà prépare-toi à mourir, donc je viens de te dire, c'était déjà dit. Voilà, me suis fait. Incroyable, non? On va retry, mais voilà, c'est ça. C'est incroyable, quoi. C'est instantané, hein, tout un truc, j'ai pas compris, je sais pas. Les trucs qui tombent de partout, tu comprends ce qui se passe, rien. T'as des... Voilà, le mode survie est vraiment chaud. Il faut vraiment maîtriser le gameplay. Bref, voilà, c'était Vex and Silence. C'est très très court comme Wix, mais en même temps, on fait très vite le tour. J'ai pas grand chose à dire, à part que c'était un jeu qui était assez fun. Non, on va pas recommencer parce que je vais me faire hit. Voilà. Qui était assez fun, qui était pas cher malheureusement. C'est dommage qu'il est pas disponible sur PC. C'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait 13 niveaux avec des armes quand même assez mordeurs. Il est très gore, enfin, il est très débridé. Et c'est dommage qu'il n'est pas disponible, j'ai vérifié un peu partout. De toute façon, s'il l'est, on sait jamais, hein, peut-être qu'après cette vidéo, je vais encore trouver de nouvelles choses. Mais, à première vue, je n'ai absolument rien trouvé. Voilà. Écoute, sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis, n'oublie pas qu'à moi, je n'oublie pas. Et à la prochaine. Tchuss.